Donc, nous sommes le 26 février 2017, Radio Prune, radio locale. Vous êtes simple militant, sympathisant ou... Militant. Militant, oui. Donc, du FNJ, depuis combien d'années? Depuis que Marine Le Pen, elle a pris possession d'être... Depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Et vous, jeune homme? Moi, pareil, depuis que j'ai arrêté mes conneries, maintenant, du coup, je me suis mis pour Marine Le Pen, pareil. C'était quoi, vos conneries? Oh là là, de la délinquance. Du trafic, du vol, de tout, la dégradation. Et maintenant, je suis contre la dégradation, le vol, le trafic. Et le déclic est venu comment? En grandissant tout seul, en me démerdant. Et donc du coup, alors oui, vous avez, ça c'est assez original. Là, je suis surpris, vous avouez que vous avez un passé de délinquant, bon pas un criminel j'espère. Et maintenant, vous vous engagez comment concrètement pour lutter contre la délinquance par exemple? C'est que... Moi, je me dis qu'en fait, c'est un moment d'inconscience, parce que du coup, tout ça, ça sert à rien du tout. Ça fait que nous empirer dans l'avenir. On peut pas apprendre ça à nos enfants, les choses comme ça. Et puis, dans notre vie, c'est important de grandir et puis être intelligent en soi. Puis, le travail, surtout, ça serait bien qu'ils le remettent d'actualité, parce que ça ferait pas mal de bien aussi aux jeunes qui traînent dans les quartiers. Vous pensez que justement le FN propose un programme de recadrement parce qu'il y a eu trop de laxisme ces dernières années? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en concernant l'armée aussi, ce serait bien qu'elle remette en place aussi. Ça ferait beaucoup de bien à certains jeunes, surtout dans les cités. Et vous-même, vous l'avez fait ou? Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai eu des problèmes de santé entre temps. Autrement, j'aurais eu le grand plaisir de faire de l'armée, même qu'un mois ou deux mois, juste pour essayer, j'aurais préféré. Il n'y aurait aucun autre parti qui vous fera changer d'idée de toute façon. Quels seraient les pires reproches aux autres partis en fait? Qu'est-ce qui vous dégoûte le plus? Ce qui me dégoûte le plus, c'est du gauche et du droit. De toute façon, c'est qu'ils sont toujours en train de raconter des âneries parce qu'ils sont toujours en train de dire « Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Au final, ils ne font jamais rien. Voilà. C'est comme aux élections présidentielles pour Sarkozy et avec Hollande. Hollande toujours en train de lui couper la parole à Nicolas Sarkozy. J'aurais préféré que ce soit Nicolas Sarkozy qui repasse une deuxième fois au lieu de François Hollande parce que François Hollande est irrespectueux sur certaines choses. D'accord. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Que Marine Le Pen soit élue et que voilà, qu'il y a un grand changement et la France aux Français avant tout. D'accord. On entend souvent dire que les militants FN n'ont pas beaucoup d'instructions. Et j'ai envie de dire, je vous donne la parole, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme diplôme, comme parcours? Moi, j'ai un BEP service à la personne et je m'occupe des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une noble cause. D'accord. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Vous voudrez avoir un petit rappel?